Bonjour à tous, Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis une nouvelle fois très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo qui s'inscrit dans la continuité de ce qui avait été fait la semaine dernière, hein, une vidéo donc tutoriel sur les figures d'analyse technique, les figures chartistes en analyse technique. La dernière fois, on avait parlé justement des canaux de trading, hein, qui sont la forme justement la plus simple, hein, finalement en termes de figures chartistes en analyse technique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre un petit peu le travail qui a été amorcé la semaine dernière. Et parler de toutes ces figures qui s'inscrivent parmi les plus fiables en ce qui concerne les figures chartistes en analyse technique. Je vais bien évidemment parler justement donc des fanions, des biseaux également de continuation, ainsi que des drapeaux, et les drapeaux qui font directement écho avec ce qui avait été dit notamment la semaine dernière sur les canaux de trading baissier et haussier. C'est parti, à tout de suite. Alors, c'est vrai que je parle beaucoup justement de taux de fiabilité des figures chartistes. J'en ai beaucoup parlé justement au cours des derniers lives et des dernières vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. La plupart des traders font cette petite erreur, en tout cas les débutants vraiment en trading et en analyse technique tombent un petit peu dans le piège entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va automatiquement essayer de chercher des figures de renversement traquées, des renversements de tendance, histoire de se placer bien en avance et de profiter d'un maximum justement du développement de cette tendance. Or, on a pu constater, hein, des études ont été faites, notamment par Bulkowski sur son site, qui d'ailleurs recense très bien le taux de fiabilité des figures en analyse technique, site que je mettrai en description pour ceux que ça intéresse qui veulent aller plus loin sur le sujet. Et on constate, hein, justement que les figures qui proposent le plus haut taux de fiabilité sont des figures de continuation, avec bien évidemment en tête de liste les figures qu'on va étudier aujourd'hui comme les drapeaux, les fanions ou encore les biseaux de continuation. Alors pour ce faire, je vous ai sélectionné un petit panel d'actifs, hein, sur lesquels on va essayer de détecter justement ces figures là, voir comment déjà dans un premier temps on les détecte, comment on les construit et puis surtout comment trader avec, quels sont les potentiels objectifs de gain justement qu'on peut se fixer en fonction de telle ou telle figure. Alors aujourd'hui nous allons voir des fanions sur l'euro dollar, un drapeau sur le titre Peugeot, un biseau justement de continuation sur le gold et puis ensuite un autre biseau de renversement cette fois-ci. Alors c'est un petit peu la partie bonus de la vidéo d'aujourd'hui. Je sais qu'on devait parler justement des figures de continuation, mais le biseau dans certains cas peut être une figure de renversement lorsqu'il est placé notamment loin au fond d'une tendance. Nous verrons un petit peu tout ça après. Je me voyais mal, si vous voulez, faire la vidéo sur les biseaux sans parler justement de ces fameux biseaux de retournement qui existent sur les marchés, qu'on a pu constater notamment au cours des dernières années. On verra ça notamment sur une perforex, celle de l'euro dollar. Alors sans plus attendre, on va démarrer tout de suite par le premier graphique. Premier graphique sur lequel on va observer une figure classique de continuation. C'est vraiment la figure en fanion. Alors le fanion n'est ni plus ni moins, si vous voulez, qu'un triangle symétrique qui vient ponctuer une tendance à plus ou moins 50% justement de son développement. Alors si vous regardez ici sur justement ce fameux graphique de l'euro dollar, un graphique qui est assez actuel, on est en une heure. Chaque bougie est égale à une heure, enfin équivaut à une heure de cotation. Et j'ai pu repérer justement ici un drapeau. Donc généralement, quand vous observez un mouvement bien directionnel comme celui-là, vous pouvez aussi observer une figure de consolidation, une figure de continuation telle qu'un fanion, un drapeau ou un biseau. Alors en termes psychologiques, tout simplement, cette figure, l'existence de cette figure, enfin le marché fait une pause avant d'aller chercher de nouveaux sommets ou de nouveaux plus bas lorsqu'on est en cas d'une tendance baissière. Finalement, cette pause peut se caractériser par tout simplement, voilà, des prises de profit de certains investisseurs qui justement veulent sécuriser un petit peu le mouvement qui avait déjà été observé auparavant, voire même tout simplement un état de pause, voilà, comme ça latent, où justement on attend l'entrée de nouveaux investisseurs à l'achat dans ce cas présent. Mais bien évidemment, ces figures fonctionnent également en tendance baissière. La particularité de ces figures-là, c'est justement qu'elles proposent des mouvements correctifs, puisque là, effectivement, le mouvement qu'on a là, en plus d'être latéral, il est quand même assez correctif dans un premier temps, c'est qu'elles proposent justement des corrections d'une ampleur relativement limitée. On va plutôt s'orienter justement vers des mouvements quasi latéraux, enfin vraiment même latéraux pour ce qui est des fanions. Les drapeaux et les biseaux sont généralement baissiers, encore que les corrections sont également très limitées sur ce type de figure. Alors là, je pense que chacun a pu voir, hein, justement le biseau qu'on a et que je vais tracer tout de suite. Donc on a une résistance dynamique baissière qui peut être tracée, voilà, je dirais comme ça, clac. Alors comme chacun se souvient, on ne coupe pas le corps des bougies, c'est très important. Voilà, ça nous donne quelque chose d'à peu près comme ça. Et pour ce qui est du support, on peut le trouver très facilement ici, hein, en toute logique. Voilà, quelque chose comme ça.
Voilà. Et donc voilà, le fanion est vraiment caractérisé par deux droites, enfin comme un triangle symétrique tout simplement, donc un support dynamique baissier, un support dynamique haussier pardon, et une résistance dynamique baissière, hein, donc vraiment deux droites qui n'évoluent pas du tout dans le même sens, au contraire justement des biseaux qui proposent, qui sont des triangles finalement, mais avec les deux droites qui s'orientent soit à la hausse, soit à la baisse. Nous verrons ça justement tout de suite après. Et alors ce qui se passe, c'est que maintenant, une fois qu'on a détecté justement ce type de phase de consolidation, ce type de figure, on est en droit de savoir justement jusqu'où le marché est-il susceptible d'aller. C'est-à-dire que imaginez que vous êtes là, voilà, vous êtes ici, au moment de validation justement du triangle, hein, c'est la première fois qu'on a des prix qui sortent, qui parviennent, enfin, c'est la première fois qu'on voit le marché parvenir à s'extraire de cette zone de consolidation. Donc c'est vraiment celle-là qui va donner le signal. Alors c'est vrai qu'on a le pullback confirmateur hier, juste derrière avec les deux bougies, donc on peut se dire qu'on aurait même un meilleur point d'entrée ici, mais le signal est vraiment donné là, à la première clôture, au-delà d'une des deux bornes justement de cette figure-là. Et lorsqu'on est dans cette configuration, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a en premier l'ampleur même de la figure, donc l'espace que prend la figure sur le graphique, taille de la phase de consolidation, et également l'ampleur de la phase tendancielle précédente, celle qui a mené justement le marché au sein de cette figure de continuation finalement. On va mesurer les deux. Alors généralement, moi j'ai pour habitude de mesurer les deux et même de rajouter Fibonacci derrière pour justement avoir beaucoup plus de précision sur les objectifs potentiels du développement de la figure. On va faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors pour mesurer l'ensemble du mouvement qui avait été enregistré, voilà la tendance, on va changer de couleur pour pas se tromper, on va la mettre en orange et en pointillé. Voilà, on a quelque chose d'à peu près comme ça. On va dupliquer cette droite et cette droite on va la reporter justement alors à l'inverse de des canaux horizontaux où on reporte justement la droite au moment de la cassure, à l'endroit de la cassure même ou du franchissement. Là on va vraiment prendre le maximum corrigé, le mouvement maximum qui a été corrigé, donc le point extrême de la correction. Et comme vous pouvez le voir, on est dans une figure, cela nous donne une figure du type AB égale CD plus ou moins, où l'objectif final qui nous était donné était situé très précisément ici, voilà, et on s'aperçoit que l'objectif aurait été atteint, enfin a été atteint d'ailleurs même, l'objectif maximum a été atteint sur cette figure, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un marché qui a effectué une certaine performance lors de la première phase tendancielle, mouvement de consolidation derrière, reprise de la hausse avec l'entrée de nouveaux acheteurs ou justement le pyramidage de certains acheteurs qui étaient déjà dans le marché, et puis nouveau développement avec 100% du mouvement qu'on avait fait justement juste avant sur la première vague. Voilà, ça c'est pour l'objectif, j'allais dire entre guillemets maximum. Donc vraiment une projection de 100% en ce qui concerne la correction. Et puis également, vous avez l'ampleur de la figure. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait aussi calculer, l'ampleur de... la largeur plutôt de la figure. Et donc, on va prendre le triangle au moment où il était le plus large, comme ceci. Et cette fois-ci, cette longueur-là, vous devez la reporter au moment, à l'endroit de la cassure. La cassure a eu lieu là. Donc, l'objectif minimum... Alors, je respectais le même code couleur que pour les projections précédentes. Orange, voilà, hop. Voilà. Et on s'aperçoit que avec le tracé de ces lignes, voilà, la correction mineure, enfin le développement mineur qu'on pouvait espérer, c'était justement un nouveau sommet aux alentours des 1,1352, alors que la première projection, donc celle qui prenait en compte l'ensemble du mouvement tendanciel, donc de la première phase de hausse, nous emmenait au-dessus des 1,14, 1,1406 exactement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les méthodes classiques justement de détection et de projection d'objectifs pour ces figures en fanion, donc qui sont caractérisées par deux droites qui n'évoluent pas du tout dans le même sens. Alors généralement, c'est vrai que j'utilise aussi tout ce qui est Fibonacci, comme par exemple les extensions de Fibonacci qui nous permettent un petit peu voilà de nous donner quelques zones intermédiaires, on va dire, hop, d'autres objectifs, hein, on voit qu'on en avait un ici à 1,13, 1,1320, 1,134, 1,1385 et pardon 1,1360 et 1,1385. Voilà, donc c'est vraiment en mélangeant un petit peu toutes ces techniques là qu'on arrive à dégager des niveaux assez pertinents par le marché. Cela dit, on s'aperçoit que justement dans un premier temps la correction mineure qui nous avait été donnée par la largeur de la figure nous projette un petit peu tout ça sur une zone qui est relativement proche d'une projection de 61,8%, qui est une des plus observées aussi en ce qui concerne les projections, puis également la projection de 100% qui a été validée, qui a été respectée comme on a pu le voir. On va passer maintenant au drapeau. Alors pour ce faire, on va changer d'actif, on va passer sur le titre Peugeot, sur lequel j'ai pu détecter deux drapeaux d'ailleurs, notamment à une unité de temps d'intervalle. Le premier est assez visible, hein, je pense que vous le voyez tous, il est là, on va le tracer ensemble, hop, même méthode que tout à l'heure, voilà, on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça,
Hop, on duplique de l'autre côté, et voilà. Donc on a un drapeau relativement large et relativement grand en termes de temps, comme on peut le voir ici. Donc un drapeau voilà qui, comme tout à l'heure, remplit le même rôle que le fanion, finalement, vient ponctuer le mouvement tendanciel haussier par une phase de consolidation dans laquelle, justement, on accueille de nouveaux acheteurs, voire même des acheteurs existants qui renforcent leur position acheteuse. Voilà. Donc là, la seule différence qu'on a avec tout à l'heure, c'est que le système de projection, justement, même si il est le même, on prend l'ensemble, justement, du mouvement précédent qui avait mené le marché à l'intérieur de ce canal, qui est un canal baissier finalement. Un drapeau, ce n'est ni plus ni moins qu'un canal baissier au sein d'une tendance haussière, ou inversement, canal haussier au sein d'une tendance baissière. Donc, d'où la forme d'ailleurs, d'où la fameuse forme du drapeau. Donc là, si on prend par exemple simplement l'intégralité du mouvement tendanciel et qu'on le reporte au point maximum de la correction, qui est là, on s'aperçoit que l'objectif justement n'a pas été atteint tout de suite, il a été atteint que bien plus tard, voilà. Alors c'est vrai que on n'est pas allé bien loin, cela dit, mais l'objectif n'a pas été atteint sur le premier mouvement. Cela dit, si on utilise le système de projection minimum, voilà, donc qui nous dit de prendre justement l'amplitude de la figure et de reporter cette amplitude au moment de la cassure qui a eu lieu là, on s'aperçoit que, alors je vais utiliser les mêmes codes couleurs, qu'on soit pas, que personne ne se trompe, voilà, en orange, clac, nickel. Donc vous voyez que par exemple ici, on est arrivé quasiment au pipe près, finalement, enfin au pipe près, au centime près, vu qu'on est sur une action, sur l'objectif minimum donné par la largeur du canal. Bien évidemment, l'objectif maximum reste celui qui nous a été fixé par cette droite-là et qui aura été atteint bien plus tard. Mais déjà, le fait qu'on ait rempli ce premier objectif minimum, justement, aura permis à certains investisseurs de sécuriser certains bénéfices déjà engrangés sur ce fort mouvement d'accélération. Le but, justement, de ce type de trading, c'est d'aller capter des mouvements d'accélération et d'éviter ces phases de congestion latérale où le marché n'est vraiment pas du tout directionnel et pas du tout opportun à trader. Alors, c'est vrai que là, sur la dernière vidéo, j'avais dit qu'il était possible de traiter à l'intérieur des canaux, à l'intérieur des phases de consolidation. Cela dit, ça nécessite un minimum d'expérience. Et puis, c'est quand même des mouvements qui sont assez techniques. Or, les mouvements d'accélération sont quand même les bien plus intéressants, à mon sens, à capter, puisqu'ils vous permettent justement de bénéficier de belles opportunités directionnelles pour un temps d'exposition relativement réduit sur le marché. Donc à mon sens, ce sont vraiment des mouvements assez sympathiques à traiter, effectivement. Je vous avais dit que j'avais trouvé un deuxième drapeau sur cet actif, on va voir, je crois que c'était en M15, voilà. En M15, on en a un beau ici, voilà, que je vais avec deux beaux gaps qui le séparent d'ailleurs, en plus. Hop, on va le tracer comme ça, clac, quelque chose d'un peu comme ça. Donc là, ce qui se passe, c'est que le titre Peugeot a rebondi sur les 20,95 environ. Le retour des acheteurs est venu. D'ailleurs, on a ce gap qui est un gap d'essoufflement ici, qui a rapidement été comblé par le marché. S'en est suivi donc de nouveau plus haut pour la première fois depuis le début de la tendance baissière. Première phase de consolidation ici, donc un beau gap, une phase de consolidation, c'est-à-dire qu'on a justement même un double bel overlay ici, puisque le dernier sommet, la résistance qui avait bloqué les prix à la hausse justement ici, sert désormais de support, comme on peut le voir sur les prix, et qui souligne justement l'importance d'un bon tracé de ligne de tendance, puisque ça, c'est un niveau que vous n'aurez pas pu avoir en utilisant Fibonacci ou n'importe quel niveau statique horizontaux, j'allais dire. C'est vraiment un niveau qui se déplace dans le temps. Et je pense que justement, ces deux pullbacks qu'on a là sur ce fameux précédent résistance qui fait désormais office de support, nous confirment un petit peu le caractère bipolaire que peuvent avoir ces zones-là. Phase de consolidation, et puis bon là, malheureusement, alors c'est vrai que c'était intradable. C'est une figure qui fonctionne mais qui est intradable, puisque là on passe directement justement de cette zone là à ici sur un énorme gap, un gap qui a été rapidement en plus comblé derrière. Voilà, c'est vraiment une ouverture de marché qui s'est faite de manière relativement brutale justement. Mais donc voilà, vraiment pas grand chose à trader sur ce signal là, puisque beaucoup trop rapide et beaucoup trop brutal, mais qui souligne encore une fois le caractère justement de pause que peuvent apporter ces figures de consolidation avant de permettre au marché d'aller chercher de nouveau plus haut, de nouveau plus bas ou de nouveau plus haut lors de tendances baissières. On va maintenant passer tout de suite au biseau. Au biseau, on va passer sur... Alors là, effectivement, j'avais un autre drapeau sur le DAX, mais voilà, on a assez parlé de drapeau, on va passer au biseau. On va passer sur l'or. L'or qui, comme vous pouvez le voir, nous propose une configuration pas si justement fréquente que ça sur les marchés. Et c'est vrai que d'ordre général, les fanions ou les drapeaux sont beaucoup plus fréquents, les biseaux beaucoup moins. Mais ils existent et remplissent exactement la même fonction. Alors on est sur le gold en graphique journalier, comme vous pouvez le voir.
On va dézoomer un petit peu, voilà, pour avoir une meilleure vue. Et bon, bah écoutez, je pense que si vous avez suivi ce qui était précédemment dit hein, sur les autres figures, vous devriez pouvoir parvenir à détecter assez facilement ce qui se passe ici sur le métal jaune. Hein. On a eu justement une tendance, une phase baissière hein, pendant la fin mai, une bonne partie du mois de juin ici. Tendance baissière qui a trouvé sa fin avec le retour des acheteurs sur la zone des 1175 $ l'once. Et puis on s'aperçoit justement que s'en est suivi un retour progressif des acheteurs avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut jusqu'à des mouvements d'accélération assez forts, notamment en fin de tendance. S'en est suivi ici justement une phase de congestion latérale, c'est celle-là qui nous intéresse, et puis ensuite une très très forte accélération à la hausse. Alors on va tracer un petit peu toutes les lignes de tendance comme on l'a fait pour les autres exemples. Voilà, on a quelque chose qui devrait ressembler à peu près à ça, voilà. Et puis pour ce qui est du support, voilà. Je tracerai quelque chose d'à peu près comme ça. Donc même cas de figure que tout à l'heure. On a vraiment le développement d'une tendance haussière ici. L'établissement d'un sommet ici avant la phase d'accélération là. Un sommet qui trouve sa résistance juste en dessous finalement de ce support dynamique baissier cette fois-ci. Figure en biseau qui est caractérisée comme je le disais tout à l'heure à contrario justement des drapeaux. C'est un triangle, c'est tout simplement un triangle. Donc deux droites qui se rejoignent mais qui vont dans des sens opposés. Enfin dans des sens pardon identiques au contraire. Des fanions où on avait justement deux droites, une qui allait vers le haut et une qui allait en bas. Là ici on a vraiment les deux droites orientées à la baisse, tout à fait symptomatique, tout à fait caractéristique des figures en biseau. Alors même histoire que tout à l'heure, on va s'amuser, on va prendre justement l'ensemble de ce qui a été fait ici et on n'y est pas arrivé à mon avis. Voilà, clac. Voilà, ça nous emmènerait assez haut. On va regarder un petit peu. Encore qu'on y est presque. Ouais, ça nous emmènerait vers 1450 environ. Donc on n'y est pas encore. Par contre, effectivement, pour ce qui est de la largeur de la figure, bon bah je pense que voilà, l'objectif a été largement rempli. Et comme tout à l'heure, il faut vraiment mesurer l'ampleur de la figure au moment où cette même figure est la plus large. Hop, on reporte tout au moment de la cassure. Voilà, et on avait notre premier objectif là. Alors, concrètement, le premier objectif était donné ici, donc les résistances en rouge, comme toujours. Et le deuxième était donné, tac, 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 bien plus haut, voilà. On le voit même pas sur le graphique. Mais on n'est pas si loin que ça de l'objectif terminal. Ok, à suite, il était toujours possible justement de rajouter notre fameux petit outil de Fibo qu'on aime bien et dont je reparlerai très rapidement aussi. Et on s'aperçoit justement que le marché, voilà, s'est affranchi des 23,6% de Fibo, a vibré autour des 38,2%, a buté une première fois sur les 50 avant de justement s'affranchir de ce niveau-là, les 61,8%, puis est venu se reposer sur les 76,40% avant justement de repartir à la baisse avec un nouveau gap. Maintenant, ce gap, s'il est rapidement comblé, on sera vraiment face à une belle reprise de la hausse. Si par contre, il reste ouvert, à ce moment-là, il faudra s'attendre à justement une correction beaucoup plus ample, voire même l'établissement d'une nouvelle tendance sur l'axe. Ce qui peut être assez compliqué, en tout cas ce qui pourrait être expliqué sur l'or par un regain d'intérêt des investisseurs vers les actifs risqués comme les actions par exemple. Voilà. Alors en introduction, c'est vrai que j'ai dit qu'on allait parler beaucoup des figures de continuation aujourd'hui, mais que je me voyais mal justement faire la vidéo sur les biseaux sans parler de la fonction de renversement des biseaux. Les biseaux, lorsqu'ils sont placés loin, alors on va repasser sur l'euro-dollar plutôt. On est en graphique journalier cette fois-ci, où effectivement on est face à un biseau en cours de validation, même validé si je dis pas de bêtises. Alors en plus il y en a deux sur l'euro dollar, c'est ça qui est beau, sur la même unité de temps. Pour vous faire un petit schéma, voilà, on va reprendre un petit peu ce qui avait été fait, mais on avait ici en 2014 un beau biseau, comme vous pouvez le voir ici, qu'on a tracé un petit peu comme ça. Donc on avait un beau biseau aussi, c'est-à-dire vraiment deux droites, support et résistance, qui justement encadraient le marché et qui surtout se déplaçaient dans le même sens. Voilà, on avait vraiment une figure un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'en termes psychologiques, cela se traduit par un marché, des investisseurs qui vont chercher de nouveau plus haut, mais avec de moins en moins de force à chaque fois. Vraiment de manière beaucoup plus faible, jusqu'à un tassement des cours qui s'est vu ici cruel, hein, en plus sur une zone psychologiquement assez forte, puisque le marché était vraiment aux portes des 1,40 ici, comme vous pouvez le voir. S'en est suivi ici une structure en double sommet, qu'on a ici en dessous de la borne haute de ce fameux biseau de renversement. Donc là, bien évidemment, les plus aguerris seraient rentrés, j'allais dire, ici, à la rupture de la ligne de coup de ce fameux double top qu'on a là, et les plus prudents auraient peut-être attendu justement la rupture du support dynamique haussier qu'on a ici, voilà, avant justement de rentrer short sur l'actif. Ça c'est un biseau de renversement qui d'ailleurs avait été validé, si je dis pas de bêtises, avec des indicateurs techniques comme par exemple le RSI qu'on peut voir ici, hop, un petit peu comme cela, où justement on avait une cassure sur RSI qui avait eu lieu ici bien avant que les prix eux-mêmes cassent leur support dynamique baissier. Enfin, c'était même juste avant que les prix cassent
la ligne de coup du double sommet de court terme. Donc maintenant, on va repasser au cas actuel qui nous intéresse. On est peut-être justement la construction d'un biseau à l'heure actuelle sur la monnaie unique, enfin sur l'euro dollar, pardon. On va retracer nos lignes de tendance qui vont bien. Voilà, je dirais qu'on a quelque chose d'à peu près comme ça. Ça, c'est pour la résistance. Et pour le support, on doit s'orienter vers quelque chose d'à peu près comme ça aussi. Voilà. Et là, on s'aperçoit effectivement que c'est un biseau qui est déjà validé. Juste en un premier regard, on constate qu'ici on a une belle clôture en dehors, justement, donc au-dessus de la résistance dynamique baissière. Donc à vraiment des prix qui, ça y est, un consensus a été trouvé sur ce marché. Les acheteurs s'orientent, enfin les investisseurs s'orientent à la hausse. On a donc ici un premier signal, une bougie signal, un pullback confirmateur, le traditionnel pullback confirmateur. Puis ensuite une nouvelle bougie haussière qui propulse les prix sur un nouveau plus haut pour la première fois depuis le début de la tendance baissière sur les prix. De plus, ce biseau est légitimement valide. Pourquoi ? Puisqu'il intervient, enfin il s'est construit justement assez loin dans la tendance baissière qui avait pris ses racines ici après la phase de distribution. Voilà, on s'aperçoit qu'on avait une forte accélération baissière, puis ensuite un tassement des cours, donc des prix qui, comme pour l'exemple de tout à l'heure sur l'euro dollar, mais qui était cette fois-ci, on avait affaire à un biseau acheteur, enfin un biseau haussier. Là, cette fois-ci, on a vraiment un tassement des cours à la baisse. Donc des prix, un marché qui parvient justement à aller chercher de nouveau plus bas, mais avec de moins en moins de force. Ce qui témoigne justement aussi d'un marché qui est moins contrôlé par les vendeurs et d'un retour justement aux commandes de la part des acheteurs. Voilà. Donc pareil, en termes d'objectifs de prix, j'aime bien terminer justement sur des exemples factuels, puisque là on est vraiment sur quelque chose qui est en train de se faire, donc on pourra observer si justement le temps me donnait raison. Mais on a ici, on a un premier objectif là, voilà, environ, et qui correspond comme par hasard, voilà, un 1760, un 1770, on peut arrondir, à ce dernier sommet qu'on a vu ici. Donc ça, c'est l'objectif minimum. Et en ce qui concerne justement l'objectif maximum, vu qu'on est ici face à une figure de renversement, on peut s'attendre justement, on peut espérer en tout cas 100% de correction. Vu qu'on est sur on n'est même pas sur un mouvement correctif, en fait, on est sur l'établissement d'une nouvelle tendance. Donc cette tendance pourra être neutre, si par exemple ici on n'arrive pas à s'affranchir de ce sommet là ou de ce sommet ici et de s'inscrire dans une consolidation latérale. Mais cette nouvelle tendance peut également être aussi haussière. C'est pour ça qu'il faut placer justement l'objectif terminal, l'objectif final de ce mouvement là qui serait situé au-dessus des 1,2550 environ. Voilà. Bien évidemment, c'est toujours très utile, comme tout à l'heure, d'affiner le tout avec Fibonacci. Et vu que cette fois-ci, on s'intègre dans un mouvement justement d'une nouvelle tendance et d'un retracement potentiel à 100% justement de la tendance baissière précédente, on va vraiment utiliser les retracements et non les expansions. Et on s'aperçoit qu'on a quoi ? On a ici un premier sommet intermédiaire à 1,145 qui correspond à 23,6% de correction, qui correspondait ici à la phase qu'on a là, à ce sommet ici, et puis à cette flopée de clôture qu'on a vue très proche de ce niveau-là. 38,2% à 1,1660, ok. 50% à 1,80, à 1,18, pardon, 1,1830 exactement. 61,8% à 1,20, qui à mon avis sera un seuil technique et psychologique très fort. Puis ensuite, 1,2210, qui correspondait justement à la zone de support, qui maintenait les prix sur leur sommet qu'on avait eu juste après leur impact à 1,25. Et enfin, le seuil des 1,2550, qui correspond justement à un retracement de 100% du mouvement baissier précédent, donc une toute nouvelle tendance haussière sur l'actif. Voilà, c'est à peu près tout pour ces figures de continuation en fanion, en biseau et en drapeau, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, on va s'attaquer beaucoup plus durement aux figures de renversement. On va faire des choses un petit peu plus cool, un petit peu plus sympa, avec notamment l'étude des Browning Formation ou figures d'élargissement qui sont pas si simples que ça à trader, mais qui pourtant sont source d'énormes opportunités et qui sont généralement construites sur les graphiques à l'aube de mouvements ultra directionnels, donc de mouvements très sympas à capter pour ceux qui aiment en tout cas le trading d'accélération. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un excellent training à tous. N'hésitez pas à revenir vers les équipes Active Trade ou vers moi-même directement sur les réseaux sociaux. Si vous avez quelques questions que ce soit, je serai toujours là pour vous aider. En attendant, bon courage à tous.